Coucou les filles, coucou les garçons. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie. Comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement tout nouveau et je suis encore plus ravie de vous tourner cette vidéo ici parce qu'on est dans le jardin de mes beaux-parents. Aujourd'hui est une journée magnifique, on a un beau ciel bleu, un joli rayon de soleil et j'avais envie de vous présenter aujourd'hui la Beautiful Box. La Beautiful Box de Mars, et tout simplement je me suis dit, pour vous présenter une box beauté bio, quoi de mieux qu'un environnement naturel. Donc, comme je vous disais, cette box là, c'est la box de Mars, on va pas discuter plus longtemps, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que je peux vous en dire avant? Ben, on va juste en parler au niveau de la couleur. Vous voyez, ce mois-ci elle est toute violette, avec le fond noir. Honnêtement, j'aime beaucoup le design de la box du mois. Quand on l'ouvre, comme d'habitude, on a la petite citation du mois. Je ne sais pas quel type de mise au point vous allez pouvoir avoir. Je vous lis la phrase du mois. La vraie sagesse de la vie consiste à avoir l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est une citation de Pearl Buck. Alors, petit problème technique en lien avec le tournage de la vidéo dehors. Je me mets à pleurer comme à mon habitude quand je suis dehors. Voilà, c'est le vent, c'est le soleil, c'est comme ça. Quand on l'ouvre, et on a tout ça qui tombe. Donc je vais pas vous la montrer plus, je vais récupérer ce que j'ai fait tomber. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, on a les petites cartes, comme tout le temps. Les fameuses cartes qui nous parlent des produits. Je les regarde pas tout de suite, j'attrape un premier produit. J'attrape un premier produit qui est ceci. Donc on est sur du rasoul naturel du Maroc. Donc cette poudre vient a priori du Maroc. Il suffit de la mélanger avec de l'eau ou de l'huile d'argan jusqu'à obtenir une pâte. Il faut l'appliquer en masque sur le visage et les cheveux ou en enveloppement sur tout le corps. C'est à rincer au bout de 10 minutes. Alors je pleure vraiment 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 beaucoup. Je m'excuse. Hop. Donc je ne connais pas du tout ce produit. Je suis ravie de pouvoir tester. Je prends la carte correspondante. C'est celle-ci, on est sur la 9 de carreau. Donc, ceci sera rasoul naturel du Maroc et de la marque Kae. C'est une marque de cosmétiques au positionnement bio-luxe présent dans les instituts et les spas. Alors, le rasoul est une argile minérale naturelle utilisée depuis des siècles par les femmes orientales pour leurs soins capillaires et corporels dans le cadre du hammam. Cette argile extraite de gisements situés de bordure du Moyen Atlas ou au Maroc est un formidable purifiant et absorbant. Doux et hypoallergénique, le rasoul a pour effet de retendre les traits du visage. Donc, franchement, c'est parfait. Je ne connais pas du tout le produit. Les promesses qu'il tente à avoir m'intéressent beaucoup. Il y a quelques conseils d'utilisation par rapport à ce produit, c'est-à-dire délayer 3 cuillères à café de rasoul et 1 cuillère à soupe d'huile de beauté Kae dans un bol. Ajouter 3 cuillères à soupe d'eau, mélanger jusqu'à obtenir une pâte ni trop épaisse ni trop liquide et appliquer ce masque à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule. Il suffit de le laisser poser 10 minutes pour les peaux claires et 15 minutes pour les peaux mates. Donc moi j'ai la peau plutôt claire, je le laisserai poser 10 minutes, je le rincerai. Ce produit, le rasoul naturel du Maroc en format 200 grammes est à 18 euros. Donc je suis ravie de tester ce produit, je ne connais pas la marque. Je vous en dirai des nouvelles prochainement. Du coup, l'autre produit que j'attrape, en lien je pense avec le premier, est encore un produit de la marque Kae, que je ne connais donc pas. C'est de l'huile de beauté pure argan pour le corps, le visage et les cheveux. Ah, la bouteille est très très jolie. Je vous la présente. C'est une bouteille en verre, c'est un format 50 ml. Donc, c'est la carte As de carreau. Le concept Kae, l'argothérapie, l'art d'associer les propriétés exceptionnelles de l'huile d'argan au pouvoir des huiles essentielles parmi les plus rares du monde pour en décupler l'efficacité. Pendant que les huiles essentielles détoxifiantes et drainantes protègent les peaux et ouvrent les pores, l'huile d'argan, par sa forte teneur en acides gras essentiels et en vitamine E, hydrate, traite et régénère la peau durablement, c'est au top. L'huile de beauté Kae est un soin protecteur à l'argan fort, pourvoi régénérant et hydratant. Elle est composée de vitamine E pour contrer les agressions de la peau, d'acides gras essentiels qui protègent l'épiderme et d'antioxydants qui préviennent le dessèchement de la peau.
Conseil d'utilisation au quotidien, appliquez par effleurage léger sur le visage et sur le corps. L'été, appliquez sur la peau comme un après-soleil. S'utilise également en huile coiffante pour protéger et régénérer les cheveux. Et surtout, utilisez cette huile avec votre mascara Soul, elle est faite pour. Cette huile donc, l'huile de beauté KEO à l'huile d'argan, le format 50 ml est à 39 euros. Donc à elle seule, elle dépasse le prix de la box. Je trouve que c'est un beau produit, j'ai hâte de pouvoir le tester et de vous en reparler. Ensuite, on passe à ceci. Donc on est sur une bouteille qui fait 125 ml. On est sur la marque AlgoVital. Ça s'appelle Cryogel B. C'est un gel grand froid jambes légères. C'est certifié bio, comme le concept de la box l'indique. La carte correspondante, c'est le Valet de Carreau. C'est celle-ci. Donc il nous parle un peu de la marque AlgoVital, qui est un pionnier dans le concept des soins naturels sur mesure. Installé au Moire-Moron dans le Vaucluse, les pieds dans la lavande, sur les pentes du Mont Ventoux, cette belle marque labellisée Cosme Bio que dirige Christophe Gilles et son fils Alban est réputée pour l'originalité de ses formules et propose une gamme de produits à la synergie novatrice. Alors, le Cryogel B des laboratoires AlgoVital est un gel rafraîchissant pour les jambes. Il atténue la fatigue et la lourdeur des jambes et procure une intense sensation de fraîcheur délassante et relaxante. Original, non. Ce gel est composé d'hydrolate de menthe poivrée, tonifiant et rafraîchissant, d'huile essentielle de romarin à camphre, décontracturante préconisée pour les courbatures, de gomme d'acacia qui sont raffermissantes. Appliqué une ou deux fois par jour en massage circulaire léger des pieds vers les hanches, ce gel peut s'appliquer sur les collants et les bas fins synthétiques. Donc c'est assez original, je trouve, le concept de pouvoir en fait appliquer un gel sur un vêtement. Je sais pas si je le ferai, très honnêtement, j'ai envie de dire pourquoi pas pour tester ce qu'ils disent. J'utilise pas beaucoup de gel rafraîchissant, j'en ai un actuellement de chez Montagne Jeunesse, je pense pas l'utiliser tous les soirs, pourtant j'ai les jambes souvent douloureuses. Ce format là, le 125 ml, est à 19,90€. Je sais pas trop quoi en dire, je sais pas trop quoi en penser. C'est pas forcément un produit vers lequel je me tourne aisément, donc... À voir, on en reparle. Alors comme vous pouvez le voir, je pleure beaucoup, je ne sais pas si je suis pas complètement démaquillée. La volonté de tourner en extérieur moi je trouve que c'était une idée sympa, mais je suis pas sûre que ce soit super pour vous pour la vidéo. Je regarderai, on verra, peut-être que je retournerai la vidéo. L'autre produit que j'attrape, c'est celui-ci. On est sur un savon. La marque, c'est Secret de Provence, c'est mon savon douceur à l'huile d'argan bio amande et noisette. La carte, c'est le 8 de carreau, donc c'est le savon bio à l'huile d'argan Secret de Provence. Il est élaboré avec des matières premières 100% végétales, sans conservateurs et sans colorants. Il est bien évidemment non testé sur les animaux. Il est à base d'huile d'argan reconnue pour ses bienfaits. Pour tous les gestes de la toilette et de l'hygiène, un savon bio destiné à tous les types de peau. Prix public, 3,50€ la savonnette. Je suis un peu déçue. Moi, le savon, je m'en sers absolument pas. Même pour me laver les mains, j'utilise du savon liquide. C'est pas un produit de soins que j'ai dans mes salles de bain. Je n'ai que du savon de Marseille pour faire du nettoyage de vêtements quand j'ai des taches avant de mettre au lavage, pour nettoyer mes pinceaux. Donc du coup, c'est à voir. J'aime pas trop les savons, donc... Ensuite, le dernier produit que j'attrape, donc c'est bien un produit... C'est ceci, on va l'ouvrir tout de suite ensemble, c'est emballé dans un petit sac. Donc en fait c'est un petit sac tout mignon de lavande. Ça sent super bon, ça sent la lavande, j'aime beaucoup la lavande. Donc c'est un sachet de lavande Plantes et Parfums de Provence. Plantes et Parfums vous propose de partager son savoir-faire artisanal en senteurs et saveurs de Provence, fondée par Thierry Roquevaux et sa fille Sandrine. La marque Plantes et Fleurs de Provence est située à Sablé dans le Vaucluse et quelques ceps de vignes de Beaune de Venise et non loin de Vaison-la-Romaine. Dans la boutique de Sablé, vous trouverez en dehors de la cosmétique et des plantes toutes les piqûries des Provences salées. Les recettes élaborées par Plantes et Parfums sont à la fois authentiques et contemporaines, le tout gorgé de soleil et d'aromates.
Glissez votre sachet de lavande dans une armoire de linge ou dans un petit tiroir à lingerie. Et hop, adieu les mythes et bonjour au parfum doux de la lavande sur les vêtements fraîchement lavés. Prix public, 2,50 €, c'est 20 grammes de lavande. J'essuie encore mes pleurs. Donc voilà le petit sachet de lavande. Ça sent très bon, j'aime bien le concept. Je suis un peu surprise de le retrouver dans une box beauté. Voilà, les filles, les garçons, on a terminé. Vous avez découvert avec moi donc les 5 produits de cette box. Les deux produits qui me font le plus plaisir sont ceux-ci, sont les deux produits de la marque Kae, la poudre de rasoul et l'huile de beauté à l'argan. Je suis très 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 mitigée sur le savon parce que je n'aime pas les savons, je n'utilise pas de savon. Le gel pour les jambes, c'est à voir. J'ai envie de vous dire, bilan mitigé, et c'est la première fois chez Beautiful Box. Il y a des produits que j'aime moins que d'autres, habituellement je les aime tous. Je vais tous les tester, je vous en reparlerai dans une vidéo sur mon produit terminé. Est-ce que je suis contente de mon abonnement? Oui, toujours, parce que ne serait-ce que le produit qui me fait plus plaisir, l'huile d'argan bio, plus le rasoul à eux deux, ben, dépasse largement le prix de ma box. Est-ce que je suis toujours surprise par les produits qu'il y a à l'intérieur? Oui, réellement, ce sont toujours des découvertes en plus. Je ne peux que vous dire, ben, si vous ne connaissez pas cette box, si vous avez envie de vous abonner à une box, j'ai envie de vous conseiller celle-là. Honnêtement, je ne l'ai pas choisie parce que je suis la fana de bio, mais cette box est petit à petit en train de me convertir à utiliser justement beaucoup plus de produits cosmétiques bio. Voilà les filles, les garçons, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été ravie de la tourner ici malgré les quelques inconvénients du temps extérieur. Maintenant, je vais regarder ce qu'elle donne pour voir si je vous tourne la suite ici ou si je fais un intérieur. En attendant, je vous fais à toutes et tous plein de gros bisous. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça me fera toujours super plaisir. Laissez-moi un petit commentaire pour qu'on discute. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Allez, je vous abandonne et je profite du soleil. Ciao, ciao !